Ok les gens, content de vous retrouver pour un nouvel épisode sur Ark Vanilla sur le serveur Les Rois du Monde. On se retrouve à notre petite base de reproduction sur The Center. Et devinez quoi, on va partir aujourd'hui sur Crystal Isles. On a fini Ragnarok et on va partir avec un seul dino, ce petit cheval. Je vais lui mettre quand même une selle. Voilà, et sinon c'est tout ce que j'ai. Je suis complètement tout nu. Et hop, on va partir sur Crystal avec ce cheval. J'avais envie d'emmener un petit dino, mais c'est tout. Sinon, eh ben, je vais pas avoir d'autres dinos, d'autres armes, d'autres stuff. L'objectif, c'est de pouvoir se faire une base et d'avoir toute la technologie industrielle. Donc forge, tout ce qui est industriel, en fait, avant de revenir chercher des dinos. Voilà, sur cette map ou sur d'autres. Donc l'idée, c'est vraiment de profiter de la map de Crystal Eyes et de pouvoir faire une petite aventure tranquille. On va se taper tout de suite sur Crystal. Voilà. Donc je sais pas du tout où je vais me mettre. J'ai pas d'idée. Franchement, j'en sais rien du tout. On va voir ça ensemble. Allez, nous voilà sur Crystal Eyes. Donc je pense que je vais spawn au sud-ouest, vers les îles. Voilà, après je suis attiré. Allez, on va se mettre là, ouais, on va se mettre ici, vers les îles, parce que comme ça on pourrait tamer assez rapidement. Une petite oui, hop, on va sortir notre cheval. Voilà. L'appeler Jumper, j'aimais bien. Et donc, on va se balader sur la map, on va essayer de se trouver un endroit sympa. En fait, je voudrais quand même trouver un endroit près de l'eau, puisque j'aimerais me faire une base sous-marine. C'est un truc que j'ai jamais fait sur Ark, donc c'est mon objectif. Et on va lui faire manger un peu de baie. Donc, voilà, avoir une base sous-marine, se faire une base avant, évidemment, terrestre. Mais donc, on va se balader près des îles, et puis si je trouve un coin sympa. On pourra s'y installer, je pense que ce sera sympathique. Je vais ramasser, il va falloir que je fasse mes premières armes évidemment. Voilà, comme on est au début, je vais ramasser quelques cailloux. Je sais pas si ça se ramasse, ça non. Ok, là ça doit. Là je ramasse des pierres, voilà, super. Lui, mon petit cheval, il va m'aider, il va pouvoir ramasser un peu de bois, je pense. Et de branchage. Ouais, super. Voilà, comme ça, je vais pouvoir me faire mes premiers outils. Ok, ce serait bien ça. Hop. Par contre, il ramasse pas de fibres, on est d'accord. Quand il ramasse des narcos, donc ça, c'est plutôt sympa. Allez, la petite pioche. Les câbles. Comme on est sur cristal, je pense que je vais essayer de me faire aussi une base. Une vraie base avec des cristaux, pas mal de trucs comme ça. Ce serait vraiment cool. Mon petit cheval, donc il est pas mal, hein. Il avait pas mal de mutations. Il avait 148 mutations en attaque, enfin 148 points. Et je sais plus trop, 150 en. Non, c'est ça, 150 en vie et 156 en attaque. Donc c'est plutôt cool. Je vais lui mettre 10 000 de vie quand même. Voilà, peut-être qu'on s'en servira évidemment pour tamer. L'attaque, je vais pas trop monter. Et on va monter un petit peu le poids et on sera plutôt bien. Allez, je me balade, je sais plus trop où je suis sur la map. Je sais plus trop où je suis sur la map, mais je suis pas mal. Donc, je vais essayer de me faire mes premiers vêtements. Ah, c'est quoi ça? Des compis. Reviens là mon cheval, reviens là. Je vais le mettre en passif, oui, parce que sinon. Pour qu'on tienne de la peau, hop. Je vais récupérer. Qui sont les autres compis? Ah. Il vous pour.
Ok. Mais j'ai dû les pousser, c'est pas grave. Tant pis pour moi. Allez, je vais me faire hop. Prendre tout ça. Et on va se crafter comme ça. Hop, hop. Il manque quoi? Des fibres, peut-être bien. Ok, il manque des fibres. Toi, tu me suis. On va ramasser un peu de fibres à la main. Hop. On va se faire nos vêtements, on aura un minimum de protection. Allez, j'ai crafté quoi pour l'instant? Ça, et puis les chaussures, ok. Hop, 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 nickel. Allez, viens mon petit cheval. On va essayer de se trouver un endroit pour s'installer. Hop, hop, et le petit chapeau. Là, allez. Qu'est-ce que je vais là? Ça c'est la... J'irai bien par là. On va essayer par là. Côte par là. Donc comme objectif, évidemment, bah voilà, c'est ça que je cherchais. Tamer cette bestiole qui est là-haut. Le Tropeoniatus. J'en ai jamais tamé. Tamer ou capturer ou attraper des œufs, je sais pas trop. De toutes les wyvernes qui existent sur le jeu, ça j'aimerais bien aussi, voilà, pour pouvoir compléter ma collection puis avoir toutes les wies qui existent sur le jeu. Ça c'est les objectifs. Qui c'est qui habite là? Regardons ensemble. Dragon's Lord, ok. Moi j'aimerais bien aller pas trop loin de la tour verte. Très cool. Bon, on va se balader tranquillement, on verra bien. Bon, je me récupère des cristaux, je pense que là-dedans je devrais pouvoir en récupérer, je pense. Pas trop. On va faire une longue vue tout de suite. Pas beaucoup. Hein. Install. Ok, donc ça marche. Là non, j'ai pas l'impression. Je suis pas partout, j'ai l'impression. Là peut-être. Ouais, c'est bon. J'ai ce qu'il faut. Où es-tu mon cheval? Dis-moi mon cheval, allez viens. C'est coincé l'animal, allez viens. Une longue vue. Hop. Là. Je peux la faire impeccable, ça c'est cool. Voilà, on commence à se mettre bien. Là, c'est bien. Allez, continue. Il y a un barrage à castors là. J'ai bien envie. Je vais tuer les castors ou les endormir, je sais pas trop. Oh non, j'ai pété le machin. Quel idiot. Je savais pas qu'on pouvait. Il y en a un autre là-bas, il y en a plusieurs là. Bon, ils sont inconscients. J'avais pas fait attention. Vous pouvez. Ok, lui, je crois qu'il est juste endormi. Il endort bien, ça par contre. Le cheval, c'est quand même super pratique. Hop, allez, je vais farmer tout ce que je vais pouvoir. Là-bas, j'ai vu qu'il y avait encore des nids. Ça, je vais ramasser du ciment. Je vais avoir besoin de toutes les ressources possibles et inimaginables. Hop. Qui c'est qui me tape là? Ah bah il y a encore un castor. Mince. Je... Attendez. Je vais virer le bois. Ok. Allez, venez là les castors. Les endort bien, n'empêche. Les endort vite. Je récupère la fourrure. On aurait peut-être besoin quand même pour aller dans la partie froide de la carte. Et il est content mon cheval. Ok.
Je suis en train de faire pourrir de la viande parce que l'avantage de ça. Je vais enlever le bois, le sel. Je vais y remettre du poids. Ce serait très bien. Ah, je me suis fait attaquer par des capros. Ah, c'est de la sale bête. Il y en a encore un là. Ils m'ont pété mon stuff. J'avais pas grand-chose, mais bon. Du coup, j'ai mis mon cheval en attaque, sinon j'y passais. Alors attendez, je peux réparer, je peux réparer. Ok. Impeccable, j'ai de la viande pourrie, je vais pouvoir commencer à me faire des narcos. Super. Je vais remonter le poids de mon engin. Hop, ok. Bon, j'étais dans le coin là parce que je voudrais aller par là. C'est des plantes qui régènent, ça? Ah oui, je me rappelais pas qu'il y avait ça sur Island. Ok. Belzébufo. J'aime bien les grenouilles. 33, ok. Oh, allez, on continue. Essayez de pas se faire avoir par les capros. En plus, j'ai pas d'armes. C'est un peu compliqué. Bon, je crois que j'ai trouvé l'emplacement de mon futur base. J'aime bien cet endroit. Il y a une node ici de charge. J'ai bien envie de construire le long de la bande ici comme ça. Et puis il faudrait peut-être faire un truc sympa, soit ici, mais pas trop profond. Mais sinon de l'autre côté. J'ai vu qu'il y avait masse de trilobites ici, donc c'est plutôt cool. J'ai bien envie de me mettre là. Donc sur la map, je suis pas très loin de la tour verte. La map, voilà, je suis ici. Il y a des wyverns. Ça m'intéresse aussi. Ça m'intéresse aussi. J'aimerais bien en choper une d'ailleurs. Assez rapidement pour pouvoir me déplacer. Même si c'est vraiment sympa d'être à pied entre guillemets. Allez, quel level? Je suis bête, j'ai une. Je me rappelais plus, mais j'ai une. Ok. Elle est niveau 20. En fait, dans l'idéal, il faudrait que je la tame niveau 20. Mais il va falloir de cristaux. Je sais pas du tout. Alors, attendez, je vais manger un peu. Je vais aller rechercher quelques cristaux là-bas et je vais essayer de la tamer. Je vais essayer de la tamer. Il faut que je repère où je suis en. Ouais, 62. 62,15 à peu près. Ok. Allez, c'est bon, j'ai une douzaine de cristaux. Je pense que ça suffit pour un niveau 20. Je sais pas combien il en faut. C'est pas aussi rapide qu'avec les primordiaux. Mais quand même. Je vais essayer de le mettre là, lui. J'arrive à lui monter sur le dos. Il y en a une autre là-bas. Une autre, c'est quel level ça? Ah, je vais pas le voir. Il est caché derrière les arbres. Là, là. Non, j'ai pas vu. Allez, elle, j'essaie de monter dessus. Hop. Faut que tu restes ici. Ah, j'arrive pas à monter dessus. Ah. Il y a du métal là. Voilà, ça sent la mort, ça. Il faut que. Ouais. Mince, elle est partie. Ok. Ok, elle est partie. Je vais reprendre mon canasson. Essayer de y arriver, quoi. Je me mets à côté, je saute dessus sur avec mon canasson. Peut-être dû me faire un parachute, moi, parce que si je meurs. Ah, j'y étais presque.
côté-là. Y arriver. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai endormi avec mon cheval. J'ai eu deux cristaux primordiaux, ce qui est une bonne chose. Hop. Je vais la tuer avec ça, et je vais essayer d'aller tamer l'autre, qui est niveau 20 aussi. Voilà. J'ai eu le loot, ça m'intéresse. Ce qu'il en faut pour faire le boss. Et prendre la peau, tout ça. Hop là. Voilà. Je vais quand même prendre des cristaux en plus. Je les ai sur moi. Ok. Je me suis fait un parachute aussi. Allez. Elle est où l'autre? Chercher l'autre. Ok, je lui ai donné le premier. Donc elle va s'envoler. Je crois qu'il faut 3-4 minutes entre le premier et le deuxième. Là, ça s'enchaîne. J'ai vu, il y en a une 180 là-bas. Une verne 180, mais pour l'instant, on va se contenter de celle-là. On va la suivre tranquillement avec le petit cheval. Et voilà. Ça devrait le faire. On devrait avoir notre premier volant sur la map cristal. Et voilà, bah, ça n'a pas été long en fait. Ça dépend peut-être des niveaux. Ça n'a pas été long du tout. Est-ce que je peux choper mon canasson avec ça? Je pense que oui. Attendez, hop, on va enlever le tracking. Il est où mon cheval? Il est là. Ah bah c'est cool, on a notre première wyverne. Hop. J'arrive pas à choper celle-là à 180. Oui. C'est une 200, il y a une 180 et une 200. Voilà, ça donne envie de les tamer tout ça. Bref, passer un peu plus tard. Allez, c'est cool, j'ai récupéré mon canasson. Je retrouve l'endroit que j'avais dit que je voulais aller. Par là, hein. Plein de coins sympas en fait. Et peut-être avant de me décider vraiment de m'installer là, je vais peut-être quand même faire un petit tour avec ma Wii. Même si le coin me paraît bien, ça se trouve, je peux trouver des trucs un petit peu mieux. Je vais laisser le cheval ici. Et je vais faire un tour quand même, on sait jamais. Et je trouve des trucs. Je trouve un endroit plus sympa encore pour faire ma petite base. Hop. Se poser là, évidemment, elle a pas d'énergie. Machine, rien d'étonnant. Je vais pouvoir quand même essayer de tamer une grosse, un gros level un petit peu plus tard. Bon, j'ai fait un petit tour, mais je pense qu'on va rester là. Franchement, on est pas mal. On va commencer à se construire une petite base tranquillement. Allez, c'est parti. Ouais, c'est bien, je savais pas, mais ici il y a des fleurs rares en fait sur les trucs bleus comme ça, c'est de la fleur rare, c'est pas mal. C'est rigolo. Voilà, je farme un peu de fibres. Mais si je trouvais un mot shop, ça aurait été pas mal. J'aurais pu regarder un petit peu. J'ai essayé de faire un maximum à pied. En fait, j'ai une wyverne, c'est vrai. Mais j'ai bien envie de faire pas mal avec mon cheval. La wyverne, c'est bon. Ou, éventuellement pour aller chercher des loots. Vu qu'il y en avait par endroit. Mais sinon, je vais essayer de faire un maximum avec mon petit cheval. Ok, j'ai ramené un ankylo 200. Je vais l'endormir avec mon petit cheval. Pas combien de temps il faut. Il fuit pas. On va le ramener sur la terre un petit peu. Voilà. Ça me sera utile pour le farm. Impeccable, est-ce que j'en ai mis un coup de trop? J'espère pas. Ah, non, nickel. Bon, de toute façon, je serai pas nickel au niveau de les. Parce que j'ai pas de. J'ai pas du tout de légumes, mais c'est pas grave. Hop, on va lui mettre des méjots. J'ai été faire quelques loots. Allez. Allez, retour à la base.
pas mal farmé. Donc on va pouvoir suivre la petite base. Alors j'ai fait un octogone, enfin un genre d'octogone à chaque bout, puis un petit truc dans le milieu. Je vais faire une entrée par ici principale. Et puis on va agrémenter de. Voilà, de bois. Je vais mettre quelques fondations, comme ça je pourrais me mettre des poteaux. Ce sera sympa. On lui voit un peu, j'aurais mettre aussi. Je me suis pas fabriqué d'escalier, je crois bien. Un petit rollback, ok, ça arrive. Je vais placer la première porte ici. Équilibré. Pas très grave. Mettre les petits escaliers. Hop, super. Ici. Je vais lui mettre quelques petits poteaux, comme ça. Deux. Ouais, c'est pas. Ouais, je refasse en fait. Mais je vais refaire, je vais rallonger de. Ou je vais raccourcir de 1 ici, ce sera le mieux. Ok, c'est mieux comme ça. Voilà, impeccable. Au moins, c'est équilibré. Allez, je vais mettre des petits poteaux. Comme ça, mettre deux ici, deux là. Hop. Je vais en remettre en bois par-dessus. Je voudrais faire un porche en fait. Voilà. C'est un. Là, on est bien. Il va falloir que j'avance aussi. Hop, mes poteaux. Voilà. Pas plus loin, bah, c'est pas si mal déjà. Comme ça, hop. La même chose de l'autre côté. Petit cheval, tu vas te mettre ici. Hop. Franchement, on aura une base sympa. Comme ça, on fera la base aquatique derrière ici, là. Hop, ce sera super. Et on a de la profondeur, ça sera pas mal. J'avoue que je suis content pour l'instant. Résultat, allez, on va mettre les piliers. En bois, hop. Voilà. Comme ça nous fera un bon porche. Pas sympa. Je fasse le plafond, tout ça, mais ça devrait être pas mal. Alors on continue, j'ai fait des doubles portes, hop, mettre des fondas ici, en haut, là, ici aussi, en haut. Pas bien ce que je fais, c'est pénible, il n'y a pas de gamin, mais attention que non, c'est pas bon ça. Où ils sont passés, mais faudrait les mettre là, moi. Ceci dit, un peu égal. Mais voilà, si c'est comme ça aussi, ça peut le faire. Ça peut pas le faire comme je veux. Ok. Oh, j'ai réussi ici. Faire un truc comme ça. Je vais essayer de remettre. N'arrive pas à les positionner. Un peu la guerre. On va les mettre dessus. Alors, est-ce que je peux sur ici? Là et là. Est-ce que ça ferait la même chose? J'arrive à positionner. Pas du tout. Pas du tout la même chose. Donc, ça me va pas. Non, je vais essayer de régler mon problème.
Ok, ça marche maintenant, je vois pourquoi ça marchait pas. Avec la touche Q, je pense que je peux arriver. Ouais. Voilà. Ok. Moi qui étais pas doué. Il va falloir que j'aille en reformer un peu. Je vais en mettre 3 comme ça. Il manque un triangle. On va le boucher. Hop. Et on va faire la même chose ici. Non, c'est pas celle-ci, c'est celle. Ok. Ensuite, j'ai prévu. Donc je vais faire pareil. Hein. De ce côté-là, j'ai prévu des. J'ai vu ça, hop, ici. Je vais mettre pas mal de vitres, vu qu'on est sur cristal, vraiment envie de. Là où je mettrai un mur classique, mettre au moins 3 hauteurs. 3 hauteurs, c'est bien, paraît pas mal comme ça. Et ça paraît plutôt sympathique. Mélanger pierre, bois, verre. Et c'est. Ça devrait être sympa. Allez, je continue tranquillement. Ok, j'ai bien avancé. Je suis allé tamer une petite baie d'ébuffo pour essayer de faire un peu de ciment. Pour les vitres, il m'en fallait pas mal. Voilà, il faut que je fasse le toit maintenant. Et puis ce sera bon. Ok, donc là je vais faire un petit plancher. Et puis ensuite, hop, on va faire le toit là-haut. Avec un accès, faut que je fasse une trappe. Pas trop comment. Mais je voudrais qu'on puisse accéder. Là-haut, hop, comme ça, est-ce que je peux mettre un petit escalier? Oui, pas mal ça. Il faut que j'enlève les trucs qui me gênent, mais on verra ce qu'on met à la place. Hop, ouais, c'est bien ça. Comme ça, je vais pouvoir mettre le toit. Là, il faudra que je vois ce que je fais. Il faudra que je fais là. Pour pas que ça me gêne. C'est comme ça. Là, je peux descendre. Ok, cool. Ok. Là, ça me plaît. Allez, c'est nickel. J'ai fait tout le toit. Ici, je laisse pour pouvoir mettre la forge indue. Il faut que j'arrive maintenant à faire un toit en pointe. Ce qui va pas être simple. Et ben voilà les gens, regardez-moi ça. Ce petit toit-là ici. Ici, je fais un petit peu plus haut. Et je pense que je ferai tout mon petit stockage de peut-être de BP, trucs comme ça. Voilà. Ici, ça va être tout ce qui est atelier. Je vais réorganiser. Peut-être là-haut, je me mettrai peut-être une chambre plutôt même. Enfin, je mettrai les lits, tout ça. Bibliothèque et compagnie. Voilà. Ici, eh ben, il y aura la forge indue qui ira là quand je l'aurai. Et puis de chaque côté, bah, ce que j'ai besoin, la gazinière, le grill et tout cela, le labo de chimie, qui ira là. J'ai fait une petite sortie ici, voilà. Comme ça, on ira dans notre base sous-marine quand on pourra la faire. Et puis voilà, ici. Ah oui, j'ai oublié de faire le. Pardon. Faut que je finisse ça. Est-ce que j'ai assez de plafond? En chaume, je dois en avoir des trucs en chaume. Je vais finir ça. Allez, cette fois-ci, c'est fini. J'ai mis quelques barrières histoire que ça fasse plus sympa. Hop, le porche est fini.
Quand on descend ici, j'ai mis quelques barrières comme ça qui redescendent. J'aime bien, sympa. Sur le porche. Et donc ici, l'aménagement. Voilà un petit peu notre petite base. Ben, j'espère que cet épisode vous aura plu. En tout cas, moi, je suis bien content de l'avoir tourné. Je suis content d'être installé sur Crystal. On a plein de choses à faire. Alors ne manquez pas la suite des aventures. On se dit à très vite. Ciao!